Bon, on va pouvoir peut-être commencer. Merci, chers collègues. Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, je suis très ravi de vous voir toujours nombreux ici à notre séminaire ethnologie et archéologie, que, comme vous savez, cette année est dédiée aux êtres des exceptions non humains. Et aujourd'hui, on aura l'honneur et le bonheur aussi d'écouter, de passer de Bornéo avec la présentation de Bernard Cellato, que je laisserai, mon cher collègue, M. Leroux, introduire après. Et après, on passera avec Isabelle Jabiot au Maroc. Mais avant de commencer, vous le savez, mais je tiens vraiment à le répéter et souvenir de cette personne qui nous a quittés l'année passée. Ce séminaire, cette année, est dédié à Dimitri Karadimas, fonds chercheur qui justement est parti l'année passée, qui a tout le temps essayé dans sa carrière de construire des ponts, on parlait passe-muraille, entre l'ethnologie et l'archéologie, notamment dans la forêt amazonienne en Colombie. Et avec ces mots, je passe la parole à mon collègue Pierre Leroux pour présenter. C'est ça, bonjour. C'est ça. Bon, alors. Oui, oui. Alors, juste un rappel, comme je fais à chaque fois pour ceux qui sont nouveaux. Le séminaire Ethnologie et Archéologie a été créé en 2014 avec une volonté délibérément interdisciplinaire qui est la marque de mon école de pensée, de formation, celle de Leroy Gourhan, Condominas, Audricourt et quelques autres, et Bernard Cellato, qui est un de mes maîtres et modèles, bien que la différence d'âge ne soit pas grande. Et le séminaire a été tout de suite orienté en ouverture. Au début, il s'appelait Séminaire d'Ethnologie et Préhistoire, en raison de l'importance de la coopération entre l'ethnologie et l'archéologie, notamment préhistorique, qui est nécessaire. Alors à Nanterre, c'est quelque chose qui est basique depuis très longtemps. Ici, ça ne l'est pas, malheureusement. Donc on a coordonné nos efforts avec le département de préhistoire ici pendant quelques années, mais ce n'est pas toujours simple et facile. Et finalement, mon collègue qui s'occupait de la préhistoire est obligé de lâcher prise. Et nous avons renouvelé le bureau, comme pour l'association d'ethnologie, en y associant toujours des archéologues, mais venus d'autres laboratoires, en l'occurrence à Montpellier, à Paris. On y a adjoint la paléoanthropologie, qui est une discipline sœur tout à fait nécessaire à notre domaine, très, très complémentaire, qui permet d'envisager la recherche dans la longue histoire, ancrée sur la longue histoire. C'est pas une évidence pour tous mes collègues qui enseignent l'ethnologie en France ou dans le monde. Dans le monde anglo-saxon aujourd'hui, il y a de plus en plus une séparation, une distance qui est prise entre l'archéologie préhistorique, la paléoanthropologie et l'anthropologie. Et ici, on essaie au contraire de resserrer cela de plus en plus. Et ça permet aussi de mettre en perspective les choses dans la manière de concevoir le travail anthropologique de Alain Testard, notamment, je pense, à son dernier ouvrage posthume, pas posthume, celui-là, en 2012, avant l'histoire, qui est paru chez Gallimard en 2012. Et donc, on a toujours essayé d'associer des archéologues et des gens qui travaillent sur la longue histoire à nos travaux plus contemporains. Mais on y a adjoint deux nouveaux éléments qui sont à la fois le croisement des juniors et des seniors, c'est-à-dire qu'on essaie de faire intervenir le plus souvent un senior, c'est-à-dire un confirmé, un chercheur ou un enseignant chercheur suivi d'un doctorant ou d'un étudiant de master brillant, de manière à ce que non seulement ils nous fassent part de leurs travaux comme une sorte de premier banc d'essai, mais aussi pour leur apprendre par l'exemple, par la pratique aussi, de manière très didactique, la prise de parole scientifique en public. Et jusqu'à présent, c'est une réussite, puisque on peut le vérifier depuis l'année dernière grâce à l'association qui enregistre les conférences, la qualité des conférenciers juniors ne départ pas, ne dénote pas par rapport à leurs aînés, même si parfois leurs matériaux sont un peu plus légers, c'est normal. Ça viendra, mais au moins pour la forme et pour la présentation, ils savent bien faire maintenant. Et enfin, on a
créé grâce... Alors ça, c'est une idée de Marc Grandjean en 2015 que j'ai reprise, qui m'a soumise, créer un groupe d'étudiants de synthèse qui assistent à toutes les séances et qui ensuite propose une synthèse générale sous forme à la fois de prise de parole pour donner leur avis personnel sur le thème de retenu chaque année, mais aussi de manière collective, puisque c'est une synthèse qui est concertée. Les étudiants de cette année sont 6, il me semble, ou 7, 6, il me semble. Il y a un des plus jeunes qui se trouve dans la salle. Il est en licence première année. Et ils sont deux en réalité. Votre collègue n'est pas arrivé encore. Et il est arrivé. Vous êtes où? Judicaël, vous êtes là. Très bien. Donc, ils sont deux L1. Et puis, vous, c'est comment? Tanguy. Donc. Et vous êtes toujours chez vos parents? Non. Et donc... Oui, pardon. Ça a été facile. Et donc... On a des étudiants, l'année dernière, on avait des L2. Cette année, nous avons 4 L3, il me semble, plusieurs M1 et un ou deux M2. Swan, vous êtes là, voilà. Vous êtes seul en M2, c'est ça. Et vous êtes coordinateur, chef de groupe. Et il y aura une séance de travail, il me semble, demain matin, c'est ça. Voilà, donc le 14 décembre, vous allez proposer la finale. Ce sera une synthèse présentée dans les mêmes conditions que celles de nos deux conférenciers aujourd'hui, mais vous serez 6 et vous aurez chacun un quart d'heure, et ce n'est pas facile. Et ils le font très bien, ils nous l'ont montré en 2016, en 2017, et cette année encore, ils vont nous démontrer ça. Donc bravo, je crois que c'est un travail de non seulement interdisciplinaire et collectif, mais intergénérationnel, puisque ça va du L1 au M2, et c'est très formateur pour les plus jeunes, et c'est assez rare comme expérience pédagogique dans notre domaine, donc je tiens à le souligner. Ils font un travail très sérieux et parfois qui pourrait faire rougir des plus confirmés. Bon, j'en arrive maintenant à notre conférencier numéro 1. Donc, Monsieur Bernard Cellato nous fait l'honneur d'être là encore aujourd'hui, parce qu'il vient relativement fréquemment quand même. On se connaît depuis très longtemps. Bernard Cellato est à l'origine un géologue, un ingénieur géologue qui a travaillé dans sa jeunesse un peu au Sahara et beaucoup à Bornéo, à chercher de l'uranium, un peu d'huile aussi, probablement, et qui s'est trouvé à vivre dans ses prospections avec des nomades forestiers et des dayaks de Bornéo, à l'époque très préservés. Sur le plan de la forêt, l'écologie, c'était assez difficile. C'était un terrain très physique. Et Bernard s'est trouvé attiré à apprendre des langues locales, puis à aller plus profondément dans leur tradition, etc., jusqu'à proposer une thèse d'histoire et d'anthropologie ethno-historique à l'École des hautes études, qu'il a soutenue. Et il est aujourd'hui directeur de recherche émérite au CNRS, en anthropologie. Alors, c'est un des grands ethnologues français qui a une formation très didactique, très, on pourrait même dire autodidactique presque, mais qui a été pour moi un modèle dont je dois ma thèse à la méthode qu'il m'enseignait, entre autres choses. Donc, il est membre du laboratoire Centre-Asie du Sud-Est du CNRS, qui était héritier de l'ancien laboratoire prestigieux, le CEDRACEMI, dirigé par Condominas. Et il a travaillé pendant plusieurs décennies à Bornéo, dont il connaît parfaitement, il a fait l'ethnographie de plusieurs groupes, notamment celui des Aweng, qui sont des anciens nomades sédentarisés des monts Muller au centre de Bornéo, mais aussi d'autres groupes, et notamment... Il est considéré dans le monde comme le spécialiste reconnu de manière unanime des nomades forestiers de Bornéo, qu'on appelle génériquement les Punan. Et il a notamment, en plusieurs décennies de travail, reconstitué plusieurs siècles d'histoire orale, à partir de la tradition orale et des toponymes, etc., de l'histoire de ces peuples qui n'ont pas de tradition écrite, qui n'ont pas de... Enfin, c'est des nomades qui bougent très fréquemment. Et ce n'est pas facile, c'est une performance assez rare, même assez unique.
Donc, Bernard Cellato a traité à peu près tout sur Bornéo, de la préhistoire à l'économie, en passant par le politique, le religieux, le technique. Il a sorti en 2012, je résume, un ouvrage qui est un ouvrage aujourd'hui de référence, qui est en français La Vannerie de Bornéo et en anglais The Plated Arts of the Borneo Green Forest, qui est paru en 2012 simultanément à Hawaï, à Honolulu, je veux dire, à Jakarta et à Amsterdam. C'est un ouvrage énorme qui fait 4,5 kg. Il n'est pas facile à transporter. J'aurais pu 3,5 kg. Et j'aurais pu l'apporter. 512 pages et 1200 photographies noir et blanc et couleur. Enfin, c'est une performance qui lui a pris 20 ans. Un ouvrage collectif monumental. Voilà. Aujourd'hui, il est venu nous parler d'un thème qui est très étonnant. L'autre tigre de Bornéo, car il n'y a pas de tigre à Bornéo. Ne me spoil pas. Voilà, donc je ne vais pas aller plus avant. Il a travaillé dessus, il a publié dessus en 83, et moi je trouvais que c'était un article extraordinaire, parce que j'étais jeune, c'était la première fois que je voyais. Première fois que je rencontrais Bernard, c'était au séminaire de Condominas. J'avais été très marqué, et j'étais fasciné, et enfin un ethnologue, et donc on était toute une bande à le suivre partout. Et à l'époque, on trouvait ce travail extraordinaire, alors je lui ai dit, il faudrait que tu reviennes en parler. Depuis, il a travaillé dessus, et en fait, il a beaucoup, beaucoup ramassé d'autres informations, ce qui fait que le travail que je trouvais extraordinaire est un peu périmé. Il a été mis à jour. Et donc, on a aujourd'hui, de manière inédite, il est venu nous le présenter. Il va apparaître bientôt, mais sous une forme plus dense et en anglais. Mais en attendant, la primeur de cette présentation. Je vous remercie, je vous donne la parole. Merci. Je vais m'attacher tout de suite à casser l'image que tu viens de donner. Et je vais vous présenter quelque chose de moyennement sérieux qui va probablement me discréditer. C'est pour ça que j'hésite à être enregistré, mais bon. Alors, pour commencer, effectivement, tu m'as complètement spoilé mon attaque, là, parce que... Je voulais vous le dire tout de suite, là, d'entrée, il n'y a pas de tigre à Bornéo. Donc, on aurait pu s'arrêter là et aller faire la sieste et tout, ça. Bon, je m'assois. C'est mieux comme ça? Vous m'entendez mieux derrière? Suffisamment? Bon. Donc, le tigre n'existe pas à Bornéo. Alors, j'ai trouvé ce titre, l'autre tigre, c'est le titre d'un poème de Jorge Luis Borges, grand poète argentin, l'autre tigre, qui est tout à fait remarquable, et là, c'est tout à fait à sa place. Donc, le tigre n'existe pas, mais dans tous les groupes de Bornéo, donc parmi tous les peuples indigènes de Bornéo, il est omniprésent, dans les traditions historiques, dans les croyances, dans les rituels, dans la littérature orale, dans les mythes. Donc, j'examine le cas de cet autre tigre, dans les cultures de ces peuples sur l'ensemble de Bornéo, et en particulier sur... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'était... C'est la flèche, voilà. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Et en particulier dans la région centrale, qui est la région des monts Müller. Müller, vous allez me dire, oui, Müller, c'est bien un Alsacien, Georges Müller, c'était un officier de génie dans les armées de Napoléon Ier. Là est à l'Alsace. Quoi? Un petit point rouge. Mais non, je l'ai là, le point rouge avec la souris. Là. Bien. Là, là. Voilà. Et donc ce Müller, Georges Müller, après avoir été officier de génie dans l'armée de Napoléon, s'est vendu après la... Après Waterloo, hein, s'est vendu aux Hollandais et il est entré dans le service civil des Indes néerlandaises.
Et il a fait un premier voyage à Bornéo en 1825, ce qui ne nous rajeunit pas. Et c'était le premier voyage qui allait aussi loin dans l'intérieur, puisque, vous voyez, cette région, c'est le château d'eau de Bornéo. Vous avez quatre immenses fleuves qui partent dans tous les sens. C'était un pays absolument magnifique dans les années 70. Ça ne l'est plus, parce que les compagnies forestières, les palmiers à huile et tout ça se sont installés. Et donc, Müller s'est fait tuer, assassiné par les tribus locales, peut-être mangé, on ne sait pas, par les indigènes du cru, qui l'ont peut-être cuit. J'espère que vous appréciez la référence anthropologique. Et c'est un autre explorateur, un Hollandais, Nieuwenhuis, qui a réussi la première traversée de Bornéo d'ouest en est, qui a donné son nom, le nom de Müller, à cette chaîne de montagnes. Voilà. Donc nous avons un Alsacien au centre de Bornéo. On connaît 5 espèces de félins à Bornéo, dont la plus grande, c'est la panthère nébuleuse. Mais toutes les langues de Bornéo ont un nom pour le tigre qui est différent de celui de la panthère. Alors on peut se poser déjà la question, pourquoi le tigre a-t-il un nom spécifique, différent de celui de la panthère, dans une région où il n'y a pas de tigre? Alors, si je... Voilà. Alors ça, c'est le tigre de Java, qui n'existe plus, qui est éteint. Et alors, dès 1850, des explorateurs ont signalé la présence de crocs et de peaux de tigres entre les mains des tribus de l'intérieur. Et c'était des crocs et des peaux qui avaient été importés de Java, de Sumatra ou de la péninsule malaise, où les tigres, là, sont communs. Ceci est un porte-bébé, c'est une spécialité de Bornéo, de certains groupes de Bornéo, c'est la façon de porter les enfants. Et c'est de la vannerie, avec un siège en bois en demi-lune, et qui porte des canines de tigre et de panthère. Donc les canines de tigre, ce sont les grosses, là, les quatre grosses, les autres, c'est de la panthère. Là, je vous ai mis un tigre qui montre ses dents pour... Et donc, les diverses décorations, des pièces de monnaie, des morceaux de coquillage, et le tout sur un panneau de perles tressées. Les canines de tigre sont la propriété exclusive des familles nobles, ou des familles riches, ou des familles importantes. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut utiliser des canines de tigre. C'est un patrimoine familial qui est exposé sur les porte-bébés, alors non pas comme décoration, comme on pourrait le penser, mais comme protection spirituelle. Le tigre protège les bébés qui sont dans le porte-bébé. L'usage de ces canines fait l'objet d'un interdit pour les gens ordinaires qui sont absolument terrifiés du pouvoir spirituel de ces canines. Des peaux de tigre transformés en cap de guerre. Ce sont des objets de prestige pour des grands chefs. Donc, il y en avait probablement assez peu. Et la tradition raconte que des chefs tribaux rivaux sont entrés en guerre pour la possession d'une cape en peau de tigre. Alors, s'il n'y a pas de tigre à Bornéo, les chasseurs ont quand même une connaissance de certains détails sur les mœurs du tigre qui diffèrent de celle de la panthère. Par exemple, le tigre grimpe mal aux arbres, contrairement à la panthère, et le tigre est très à l'aise dans l'eau, il peut même traverser des rivières à la nage, ce que la panthère ne ferait pas. Donc, comment ont-ils ces connaissances sur les mœurs du tigre? Ça, on ne sait pas trop. Et ceci est au point que, dans certains groupes ethniques, le tigre est considéré comme le roi des animaux aquatiques. C'est quand même un peu surprenant. La littérature orale à Bornéo consiste, pour chaque groupe ethnique, en un gros corpus de textes. Alors, on appelle ça des textes oraux, qui sont formels ou informels, qui sont récités ou qui sont chantés. Ce sont des mythes, des épopées, des contes, des chansons, et aussi des prières, des invocations et encore d'autres textes rituels. Et dans ces textes, le tigre apparaît toujours comme une dangereuse entité spirituelle
qui est l'objet, comme je l'ai dit, d'une forte crainte, au point que même des débris de tigres, comme les peaux ou les canines, sont également l'objet d'une forte crainte. Et en même temps, comme disait quelqu'un, il est l'objet d'une grande admiration. Dans les épopées, on met en avant ses caractères immédiats, la force, l'agilité, la férocité. Le tigre est la quintessence de la virilité, ou on pourrait peut-être dire de la masculinité, je ne sais pas quel est le mot politiquement correct, il y en a un probablement plus correct que l'autre. Donc on compare des jeunes guerriers qui massacrent joyeusement leurs ennemis à des tigres féroces. Un autre attribut du tigre est sa noblesse, qui va bien sûr de pair avec le courage. Et le surnom de tigre est souvent décerné aux héros des épopées et quelquefois à des chefs fameux et respectés. Et enfin, il est de notoriété publique que les jeunes héros des épopées sont non seulement des serial killers, des tueurs en série, mais aussi des serial lovers. C'est des séducteurs patentés, et pas toujours d'une grande délicatesse d'ailleurs. Donc pour l'essentiel, l'action des épopées tombe dans ces deux catégories, le combat et la séduction, qui sont évidemment deux champs de conquête parallèles. Mais les dames de l'assistance peuvent se rassurer, il y a également des héroïnes redoutables, très belles, qui sont comparées à des tigresses. Chez les groupes des Müller, le tigre, qui est nommé Sengiru, est en fait un héros culturel, et on est dans le domaine du mythe, là, et ce héros culturel est sans rapport avec le héros martial des épopées. Ce héros culturel introduit la nuit. Apparemment, la nuit n'existait pas encore, il introduit la nuit, et il introduit également les animaux qui marquent l'alternance circadienne, le coq pour le matin et la cigale de 18h pour le soir. Et à ces humains qui vivaient encore comme des animaux, il enseigne tout ce qu'ils doivent savoir, tout ce qu'ils savent aujourd'hui. Et on cite en particulier le tissage, le tatouage, l'élevage des chiens, la fabrication des pirogues. Bref, le tigre civilise les hommes. L'apparence physique de ce héros culturel est très ambiguë. Selon les sources, il est totalement humain, mais son odorat est très développé et quand il marche, ses pas laissent des empreintes de tigre. Ou bien, il a un corps humain et une tête de tigre. Ou encore, il a une épaisse fourrure et de longues canines. Donc, c'est un truc un peu mixte, là. Ce qui est souvent mentionné, c'est son incapacité à se nourrir comme les humains, parce que lui, il mange de la viande crue. Donc, il civilise les humains, mais lui reste quand même avec des caractères animaux. Donc c'est cette inadéquation, cette incompatibilité culturelle qui, dans la fin du mythe, décide le tigre à quitter les humains, à abandonner la vie des humains et à retourner chez lui. Dans les textes de la littérature orale, le tigre peut se transformer à volonté entre humain et animal. Il peut aussi se rendre invisible et alors il devient un esprit sans forme physique. Donc il est clair là que la frontière entre humain et animal et entité spirituelle, donc ces trois aspects, cette frontière est floue, elle est perméable. Donc paradoxalement, c'est l'animal tigre qui fait passer les humains du statut ou du stade de primitif à celui de civilisé. Dans le nord-est de l'île, contrairement à la région des Müller, c'est le chien. Et ailleurs, ce sont les nomades forestiers, Pierre Leroux parlait tout à l'heure, les Pounanes, qui sont considérés par les agriculteurs comme des intermédiaires entre animal et humain, et qui sont donc considérés pas comme des émissaires des divinités, ou des représentants des divinités, et ce sont donc des passeurs de culture, des passeurs de civilisation. Donc c'est des gens qui sont dans l'entre-deux, et qui sont, parce qu'ils sont dans l'entre-deux, justement, sont considérés comme des émissaires des divinités. Dans ces traditions orales, les mariages entre des tigres et des humains sont courants et ne sont pas contre nature. Ils produisent une descendance qui est viable, qui a une apparence physique et des pouvoirs particuliers un peu variables,
mais leurs modes de vie respectifs sont incompatibles et ces mariages finissent toujours par des divorces, chacun des conjoints retournant chez soi. Donc ces mariages ne sont pas contre nature, mais ils sont contre culture. On peut faire des références à qui vous voulez, là. Bon, qu'est-ce que nous savons, d'après la tradition, de l'origine de ce tigre? Ça, c'est pour vous faire attendre un peu, jusqu'à la prochaine image. Dans la littérature orale, le tigre est le plus souvent associé à l'eau, la rivière, le fleuve, la pluie, les marécages, etc. Mais on dit aussi qu'il vit dans des grottes, et ces grottes sont des voies d'accès vers les mondes d'en bas. Alors, est-ce que le tigre viendrait du monde inférieur? Mais il est aussi associé au tonnerre et à l'éclair. Et ça, ça a l'air plutôt de renvoyer au monde d'en haut, au monde supérieur. Donc, ce n'est pas clair. Donc, on va laisser de côté pour le moment le personnage des épopées, le personnage des contes populaires. Et si l'on reste dans le contexte cosmogonique du tigre héros culturel des Müller, on comprend qu'il n'est pas seulement un héros culturel, mais qu'il est surtout une divinité de premier plan. Il vient du ciel, son épouse c'est la lune, laquelle épouse est la fille du tonnerre, donc c'est pas du menu fretin, ça c'est du lourd quand même. Hein. Donc dans une cosmogonie classique, on dirait, qui oppose monde supérieur et monde inférieur, la position du tigre est quand même très très ambiguë. Donc on l'a vu, la frontière entre les êtres humains et les non-humains et perméable, et les frontières entre les différents mondes, le monde supérieur, le monde inférieur et notre terre humaine qui est au milieu, ces frontières semblent tout à fait perméables. Ce tigre, d'un côté, il réside dans le ciel, du ciel il descend sur la terre pour vivre avec les humains, il retourne au ciel, et de l'autre côté, il vit dans des grottes de notre terre qui, elles, mènent au monde inférieur. Il est marié au ciel à une femme sélénique, qui est elle-même la fille d'un personnage ouranien. Donc c'est carrément louche, là. L'intrigue se corse. The plot thickens. Alors, on peut examiner maintenant le rôle du tigre dans la vie sociale et rituelle des peuples de Bornéo. Ça, ça va nous éclairer un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Pour les peuples des Müller, les cérémonies rituelles majeures ont été révélées par le tigre. Un mythe raconte que les humains primordiaux ont commis l'inceste. La femme est tombée malade et rien ne peut la guérir. Un tigre se montre en rêve à un vieil homme et lui explique comment effectuer une onction sanglante du malade avec le sang d'un animal sacrificiel. Donc ça, c'est important. L'inceste, ça constitue une infraction très grave, très chaude, chaude entre guillemets, une chaleur qui met en danger l'harmonie cosmique. Et le sacrifice d'un porc permet de refroidir la situation et de restaurer cette harmonie du cosmos. De la même façon, une maladie grave est conçue comme la sanction surnaturelle d'une grave transgression interdite, et les rites de guérison chamanique incluent le sacrifice d'un porc et l'onction du malade avec le sang de l'animal sacrificiel. Dans certains cas très très graves, par exemple dans une épidémie ou une succession de mauvaises récoltes, qui sont également conçues comme des sanctions surnaturelles d'une grave transgression, même quand la transgression n'est pas identifiée, la communauté villageoise dans son ensemble se sent menacée. Et alors un grand festival propitiatoire avec sacrifice, et gros sacrifice, doit être tenu pour purifier tout le village et ses résidents. Et dans ces situations rituelles, le tigre est tellement craint que même son nom n'est jamais prononcé. Le tigre se manifeste aussi par de ses multiples avatars. Ça pourrait être des avatars de tigre. Ces esprits tigres s'associent à certains humains, certains individus choisis, et les assistent dans leurs activités en échange d'offrandes. Donc ces humains sont le plus souvent des chasseurs. Donc, leur esprit les aide dans la chasse, des artisans, des musiciens et surtout, évidemment, des chamans. Donc, tous ces éléments, initiation au rite, rédemption des transgressions et assistance spirituelle personnalisée, assistance à la personne, on appellerait ça, reflètent des dispositions qu'on pourrait appeler philanthropiques de la part du tigre que certains peuples lui attribuent. Cependant, dans l'ensemble,
le tigre demeure, comme je l'ai dit, une entité spirituelle dangereuse. Pour certains groupes, il a bien effectivement initié les humains aux rites et aux bonnes manières, mais il est avant tout le grand censeur, le grand punisseur, le pourfendeur des transgressions sociales et rituelles. Alors, il peut s'agir de petites transgressions, par exemple enjamber de la nourriture, ou refuser de partager ses vivres, ou au contraire refuser de prendre part à un repas déjà servi, ça ne se fait pas. Ça relève de l'étiquette, ça relève des bonnes manières sociales. Ce sont des mauvaises manières sociales, civiques, et on considère que la punition doit être mesurée à l'aune de la faute. Il y a beaucoup plus grave. Par exemple, maudire quelqu'un. Si vous maudissez quelqu'un, là, le tigre va venir dévorer le maudisseur et le maudit, les deux protagonistes, qui mourront d'une maladie surnaturelle, mourir de consomption, on dirait. Donc ça, c'est quand même très sérieux. Une autre chose très sérieuse, c'est les ordalies. Les ordalies, ce sont les jugements de Dieu, sauf que ce n'est pas les mêmes dieux. Le plaignant et le suspect jurent sur une dent de tigre. Les deux jurent sur une dent de tigre, et celui qui a menti sera dévoré par le tigre. Et on dit, et apparemment il y a eu des cas, on dit qu'il est alors tellement convaincu de son triste destin qu'il cesse de manger et se laisse mourir, réalisant la punition. D'autres graves transgressions, manquer de respect à des anciens, par exemple, ou toucher des objets sacrés, un vieux sabre de guerre, un vieux sabre de coupeur de tête, ça, pas touché. Une cape en peau de tigre, pareil. Donc seuls des adultes mûrs, aguerris, peuvent les manipuler. Des hommes, évidemment, parce que les femmes ont une âme plus délicate, dit-on. Donc ce type de transgression appelle sur le délinquant une mort rapide, c'est la mort par le tigre. Ça, c'est important, la mort par le tigre. Et dans des cas où des rituels chamaniques se révèlent incapables de guérir un malade, et ceci vaut que l'on connaisse la transgression ou qu'on soupçonne qu'il y en ait une, on acceptera comme un fait que la faute était trop grave et que le tigre est venu saisir le coupable. Là, le cosmos a été déstabilisé par la faute commise et une cérémonie de purification générale est impérative pour rétablir cette harmonie. Au vu de ces aspects de censure, de châtiment, on ne sera pas surpris de noter que les peuples de Bornéo font preuve de beaucoup de circonspection à l'égard du tigre. Donc j'ai dit que ça, il y avait une crainte généralisée de tout ce qui avait rapport avec le tigre. Et dans la vie quotidienne, dans certains groupes, le mot tigre est systématiquement remplacé par le mot chien. Donc on retrouve le chien là. Et pour prêter serment, on utilise un cadavre de chien, et dans certains cas, on se contente de montrer un chien du doigt. Chien, et c'est l'équivalent de jurer sur une dent de tigre. Et le tigre est toujours là, même quand on jure sur un, même quand on montre un chien, le tigre est toujours là, tapis dans l'ombre, menaçant. Cependant, dans les mythes, dans les épopées, dans les contes, on mentionne nommément le tigre. Et c'est la même chose lorsqu'on parle du motif empreinte de tigre, qui est un motif très très courant dans la vannerie en particulier. Et dans ces cas, on dit qu'aucun interdit ne s'applique, qu'il n'y a pas de danger. C'est comme si le tigre n'était pas vraiment là. Dans la culture matérielle, le tigre est également couramment et explicitement représenté et dans divers médias. Sculptures, peintures murales, panneaux de perles, et leur usage est réservé aux familles prééminentes, exactement comme pour les canines et les peaux, contrairement à ce motif qu'on retrouve partout. Vous voyez quand même l'empreinte de tigre là, elle est pas vilaine. C'est une photo qui a été prise à Sumatra par Pierre-Yves Manga, ça. Il campait dans la forêt, et puis le matin, le tigre était passé dans le campement. Voilà, là vous avez un panneau à droite représentant un tigre et un calao. Le calao, c'est le calao rhinocéros. Vous voyez la corne rouge là, au-dessus du bec. C'est le calao rhinocéros qui est un des plus gros oiseaux de Bornéo.
et entremêlé de dragons. Là, vous avez des dragons, des dragons, des dragons, des dragons partout, des têtes de dragons, là. Et les mondes inférieurs et supérieurs sont visiblement complètement imbriqués. On a quelque chose qui est global. C'est une représentation du cosmos total. Voilà, donc ça, c'est la photo de première photo. Là, vous avez un tigre, qui est absolument indubitablement un tigre et pas une panthère. Et vous voyez que les pattes du tigre se terminent là par une tête de Calao, là par une tête de dragon, là encore une tête de dragon. Et également, là aussi, monde inférieur et monde supérieur imbriqués. À droite, vous avez une représentation moderne d'un tigre courant, sans référence cosmogonique du tout. Sur le principe de la partie qui vaut pour le tout, pars pro toto, je dis ça pour les brillants latinistes que vous êtes tous, les représentations de la tête du tigre sont très fréquentes. La tête vaut pour le tigre complet. Ici, vous avez à gauche une peinture sur un mur de maison. Ça, c'est le motif de tête de tigre. Les deux autres, c'est tête de tonnerre, face de tonnerre, si vous voulez. Et dans celui-ci, il est associé au Calao. Selon les groupes, les mêmes images, les mêmes représentations sont appelées face de tigre, face de dragon ou face de tonnerre. Vous trouvez les mêmes types de représentations, à gauche sur un bouclier de guerre, à droite sur un masque en tridimensionnel, sur un masque de danse sacrée. Vous retrouvez les yeux, les crocs, vous voyez les crocs là, avec ces espèces de gros yeux, les pendants d'oreilles, enfin tout y est. Et à gauche, un panneau de perles pour un porte-bébé. Vous retrouvez exactement le même motif en tressage de perles que la tête de tonnerre de tout à l'heure. Et à droite, vous avez c'est un panneau de perles pour une coiffure de femme. Et là, c'est une tête de tigre. Alors, vous voyez, ça, ce sont les yeux. Ça, c'est la bouche. Vous reconnaissez tout de suite un tigre, là. N'est-ce pas ? Oui. Bon. Et ici, vous avez une représentation combinée de face de tigre et de dragon. Alors là, c'est intéressant, vous avez deux dragons couchés qui forment la gueule du tigre. Les yeux du tigre sont cernés par deux têtes de dragon. Et donc la représentation de la tête de tigre ici est générée par, en fait, les images de dragon. Toutes ces représentations et leurs noms variables, donc tigre, tonnerre et dragon, suggèrent fortement que ces trois entités, tigre, tonnerre, dragon, sont fondues ou confondues en un seul et même personnage, une seule et même divinité dans les cosmogonies de ces groupes-là. Ces images de tigre, ou de tête de tigre, ou de dragon, ou de tonnerre, sont délibérément effrayantes. Elles sont à interpréter à différents niveaux. D'un côté, elles sont protectrices, ça c'est évident, sur les porte-bébés, sur les chapeaux, sur les boucliers. Elles sont destinées à repousser les mauvais esprits et à épouvanter les ennemis. Et par ailleurs, elles dénotent le statut social des gens qui les portent, ou qui les utilisent, ou qui les exposent sur les murs de leur résidence, c'est-à-dire les familles nobles ou puissantes qui ont le monopole de ces motifs-là. Les gens ordinaires, les gens du commun, les roturiers n'y ont pas droit, n'ont pas droit de les utiliser sous peine de sanctions surnaturelles et évitent de s'y frotter par peur de la fameuse mort par le tigre. Dans la moitié nord de Bornéo, ça c'est la partie, c'est l'évolution du tigre dans le dernier siècle passé. Dans la moitié nord de Bornéo, les peuples de l'intérieur ont été pour une grosse part, une grande part, massivement christianisés et par divers ordres missionnaires occidentaux. Et on trouve ici le tigre et la croix, qui est assez particulier. À gauche, vous avez une représentation cosmogonique traditionnelle avec le visage divin central, avec ses spirales, etc., qui repose
sur la jarre qui est supposée contenir l'élixir de vie, vous avez deux tigres, ils sont en bas, les Kalao sont en haut, donc là on a peut-être une espèce de séparation des pouvoirs, et des dragons au milieu. Et cette représentation est installée dans une église. Donc là, on est dans le contexte de Vatican II, avec une ouverture, une ouverture aux églises particulières et la combinaison des traditions, des croyances traditionnelles dans le christianisme. Et donc on peut réinterpréter ça, je ne sais pas comment exactement on l'interprète, mais on peut réinterpréter ça comme l'intégration de la croix qui semble avoir poussé dans la jarre comme un arbre de vie. À droite, c'est un panneau d'abri de tombe. Alors là, on retrouve la croix est positionnée au-dessus de la tête de Tonnerre. Cela, c'est Tonnerre. Donc, soit on dit que la croix domestique, le tigre désamorce ses aspects dangereux de censeur, de punisseur, soit on peut dire que les anciennes divinités sont appelées en renfort de la croix pour générer un surplus de protection spirituelle. On ne sait jamais, ça ne peut pas faire de mal. Alors ça, c'est l'ikuala, c'est des feuilles de palme qui sont tressées, et c'est les feuilles de palme. Enfin, c'est dans ces tressages de feuilles de palme qu'on enveloppe les têtes coupées dans les cérémonies de retour de chasse aux têtes. Et on les met là aussi parce que la personne qui est enterrée là est une personne de la noblesse, donc elle a droit à l'image de la face de Tonnerre, et on lui met symboliquement ça comme si elle emportait avec elle des têtes coupées qui lui serviraient d'esclaves dans l'au-delà. Dans la moitié méridionale de l'île, en revanche, les images de tigres se rencontrent en contexte rituel très particulier, en particulier les festivals funéraires. On érige des gros poteaux de bois de fer auxquels on attache des buffles d'eau qui seront sacrifiés, et au sommet du poteau, on a un tigre assis sculpté en ronde bosse dans la masse du poteau. Donc ça s'appelle Tiwa, c'est le grand rituel de funérailles secondaires chez les gens du sud de Bornéo. D'autres représentations du tigre, aussi dans la masse sur le haut d'un poteau. En bas, vous avez un petit bonhomme chevauchant un tigre. Ça, c'est un truc un peu particulier. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais on pourrait penser à une influence indienne. Parce que la déesse Durga, qui est la parèdre de Shiva, est souvent représentée chevauchant un tigre. Alors c'est une région qui a certainement subi des influences des royaumes indianisés de la côte sud. En dehors du contexte funéraire, ces mêmes groupes du sud de l'île érige aussi un poteau à tigre lors de cérémonies de réconciliation, de paix et d'alliance. Entre différentes tribus. Là, c'est une cérémonie qui a été organisée par l'administration coloniale néerlandaise en 1894 et qui a regroupé des dizaines de tribus du centre de Bornéo pour établir la Pax Néerlandica, la paix néerlandaise, la cessation de la chasse aux têtes, la cessation des guerres tribales. Ça a été un grand événement dans l'histoire de Bornéo, cette paix de Tumbang Anoy en 1894. Donc là, on suppose que le tigre, sur son poteau, sert de témoin muet, mais incontestable quand même, parce qu'il est là, de témoin d'un serment d'alliance, et qu'il menace implicitement ceux qui ne respecteront pas le serment qu'ils ont passé et qui ne tiendront pas parole.
chez d'autres groupes, au nord-ouest de Bornéo, par exemple chez les Iban, pour le même type de cérémonie de paix et d'alliance, on utilise une représentation du Kalao rhinocéros. C'est l'autre pôle d'un dualisme. Et enfin, des petites sculptures de tigres assis, toujours, servent de bouchons à des tubes de bambou qui contiennent des amulettes ou qui contiennent un assortiment de petits objets rituels d'un chaman. Là, vous me direz, celui de gauche ressemble plutôt à un lion qu'à un tigre, ce qui est tout à fait exact. Mais les gens l'appellent tigre, et puis de toute façon, on n'a pas de lion non plus à Bornéo. Donc ça, c'est peut-être aussi une influence indienne, chinoise. Stylistiquement, ça serait plutôt chinois, mais allez savoir. Que peut-on conclure de ce galimatia que je viens de vous exposer, de cet ensemble de données plutôt incohérentes? Que peut-on comprendre de ce tigre matiné de chiens, de dragons, de tonnerres? C'est quand même un drôle de zèbre, si on peut dire. Donc, j'ai tenté une interprétation de toutes ces données à l'ensemble de l'île. Je vous livre ça, vous en ferez votre miel ou pas. Voilà. D'abord, je conclus que le chien et l'ours ne sont que des alias, ne sont que des surnoms du tigre, des noms qu'on utilise pour ne pas avoir à prononcer le nom du tigre qui est dangereux. Donc, on ne s'en souciera pas trop. Le chien n'est sûrement pas une divinité, je ne connais pas de religion où le chien a le statut de dieu, de divinité. Donc, le chien est certainement un substitut. Donc on n'en tiendra pas compte, l'ours de la même façon. Ensuite, je considère le dragon comme un élément exogène, venant de l'Inde ou venant de la Chine. Il est clair que le dragon chinois qu'on trouve habituellement sur les jarres en céramique d'origine chinoise qui circulent à Bornéo depuis des milliers d'années ou peut-être plus, a évidemment inspiré les artistes de Bornéo. Et en ce qui concerne les autres représentations comme la tête de tonnerre, la tête de tigre, la face de tigre, on peut chercher dans le makara indien, cette face grimaçante de monstre marin, ça semble avoir servi de modèle à la tête de tigre ou à la tête de tonnerre. Donc pour moi, le dragon est devenu au fil du temps un personnage alternatif, c'est-à-dire un alter ego du tigre, et qu'on utilise le tigre et le dragon au même niveau de statut, de divinité. Ensuite, on a les divinités aviaires, le Kalao, dans d'autres tribus, c'est l'aigle. Dans des cosmogonies dualistes, elles forment avec le dragon une paire de termes, oiseau, alors dragon ou serpent aquatique dans certains cas, une paire de termes opposés et complémentaires qui représentent monde inférieur, monde supérieur, mâle, femelle, air, eau, etc. Au bout du compte, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce qui vraisemblablement constitue des éléments d'un ancien panthéon autochtone, un panthéon composite mais pas dualiste, le tigre, la lune, le tonnerre. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, ancien et basique un peu partout. C'est un panthéon qui pourrait être antérieur à l'arrivée des peuples de langue austronésienne à Bornéo, il y a 4000 ans ou plus. Peut-être antérieur encore au premier groupe mongoloïde qui sont venus d'Asie continentale par la péninsule malaise jusqu'à Bornéo, à l'époque où il y avait encore un pont de terre. Les Mongolais, par exemple, quel groupe? Mont-Khmer, ces gens-là. Qui? Il y aura un groupe. Il n'y a pas de groupe Mont-Khmer à Bornéo. Non.
Mais non, les peuples de langue austronésienne sont venus en principe de Taïwan, par les Philippines, par l'Est. Ils seraient arrivés à Bornéo et auraient apporté un certain nombre de choses, dont, dit-on, l'agriculture. Mais les dernières recherches archéologiques ont prouvé qu'on avait du riz bien avant la date d'arrivée supposée des groupes de langue austronésienne. Donc, on fait le postulat que des groupes Khmer austro-asiatiques descendus par la péninsule, c'est-à-dire par l'ouest au lieu de l'est, sont arrivés à Bornéo largement avant les gens de langue austronésienne et ont apporté l'agriculture. Mais bon, on ne sait pas du tout ce qu'il en est, il n'en reste rien, en fait. Et donc ce panthéon pourrait bien remonter aux cultures de chasseurs-cueilleurs australo-mélanésiens qui sont passés par Bornéo il y a beaucoup plus longtemps, avant les débuts de l'agriculture. Là, c'est 50 000 ans, c'est les premières arrivées de groupes d'homo sapiens, donc des australo-mélanésiens, c'est dont les gens qui ont peuplé la Nouvelle-Guinée, qui ont peuplé l'Australie. Et dont il reste quand même des traces avec les négritos, les orangs aslis de Malaisie péninsulaire, qui sont des petits hommes à la peau sombre et aux cheveux crépus, et que considère être comme ceux qui existent aux Philippines, les négritos des Philippines. On considère que ce sont des gens qui sont là depuis peut-être plusieurs dizaines de milliers d'années, donc largement avant. Et il se trouve que ces gens-là, en Malaisie péninsulaire et aux Philippines, ont un panthéon qui ressemble quand même, qui a beaucoup de traits communs avec ce que je viens de décrire, le tonnerre, la lune, le tigre. Alors, il n'y a pas de tigre aux Philippines, mais il y en a en Malaisie péninsulaire. Donc, ce vieux panthéon de Bornéo, ben, on pourrait le mettre en parallèle si on décide qu'il mérite d'être exhumé, avec les panthéons des négritos de Malaisie péninsulaire et de Philippines. Donc ces éléments anciens auraient alors été incorporés dans des cosmogonies complexes, plus complexes, arrivées plus tard, et cet ancien panthéon lui-même ne nous est plus accessible aujourd'hui qu'à travers des bribes de mythes, des bribes de traditions orales, des bribes de croyances, de rituels, qui ont été noyés dans ce qui est arrivé après. Voilà. Donc, dans les cosmogonies actuelles de Bornéo, qui sont les seules auxquelles nous avons accès, le personnage du tigre, avec cette ambiguïté que je viens d'expliquer en long, en large et en travers, c'est une ambiguïté de passe-muraille. Il passe entre les mondes, il passe entre l'humain, le non-humain, le spirituel, il passe entre le monde supérieur, le monde inférieur et la terre. Alors avec cette ambiguïté, avec ses divers visages, on pourrait dire que c'est un pervers polymorphe peut-être, je ne sais pas, de chien, de dragon, de tonnerre, ce tigre en fait reflète simplement une très longue histoire d'interaction culturelle. Et c'est une histoire qui est tellement longue que probablement nous ne saurons jamais vraiment ce qu'il en est vraiment de ce tigre. Ce tigre, de toute façon, est absent des forêts de Bornéo. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que je ne conclue pas, je ne prouve rien là. Peut-être simplement parce que l'anthropologie ne serait pas forcément très drôle tous les jours si on n'avait pas le droit de temps en temps de s'abandonner à la pratique de la spéculation sauvage. Et c'est ça qui fait le bonheur de l'anthropologie, c'est ce type de travail. Mais attention, à consommer avec modération. Merci. Pour la postérité. C'est quand on réécoute les gens qui ne connaissent pas, ils ne se rendent pas compte. C'est un jour où c'est connu grâce à ça, peut-être. Question là.
Je me demandais si le tigre était présent dans l'astrologie, parce que je sais qu'il est présent dans l'astrologie chinoise et qu'on le retrouve aussi dans l'astrologie birmane, où il est associé au lundi, il me semble. Et je me demandais si on le retrouve aussi dans l'astrologie à Bornéo. C'est une bonne question. On a à Bornéo, dans certains groupes ethniques, en particulier des groupes ethniques plutôt côtiers, des espèces de petites tablettes en bois qui servent d'augure, qui servent à déterminer des dates auspicieuses ou des moments auspicieux. Et sur ces petites tablettes, il y a un cercle divisé en, je ne sais combien, 12 ou cadrans. Et il me semble qu'un des animaux qui sont représentés, il y a tout un ensemble d'animaux représentés sur ces tablettes, un des animaux est bien le tigre. Oui. Oui. Mais ça, je pense que ce sont des groupes côtiers qui ont été en rapport avec les royaumes côtiers. On ne les trouve pas du tout loin dans l'intérieur, ces tablettes-là. Mais effectivement, ça existe. Hein. Le tigre existe dans le calendrier vietnamien, chinois. Ouais. On l'a pas dans les signes astrologiques. Tu sais, le cycle des 12 animaux, ouais. on l'a. Tu sais. Le tigre, oui. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui changent. Par exemple, le lapin et le chat, c'est le même. Je pense que le tigre, il est toujours celui-là. Ouais. Oui, bonjour à Mathieu Michel, étudiant en L3 et L2. J'avais une question, ou peut-être des précisions à avoir sur les illustrations que vous avez montrées. Parce que n'étant pas spécialiste, moi, ça me fait penser à des pieuvres vues en dessous. Donc, je ne sais pas si... comment ça se rapproche d'un dragon? Visuellement, je n'arrive pas moi, à conceptualiser l'image. C'est vrai que l'image qu'on voit, ça me fait vraiment penser à un œil de pieuvre. Oui, c'est que... Alors, le dragon typique, tel qu'on trouve dans des représentations autres, c'est ce... Alors, est-ce que j'ai toujours le... C'est ça. Ça, c'est la représentation classique du dragon dans l'intérieur de Bornéo. Là, ça n'est pas une pieuvre. Hein. Donc, on a généralement une gueule, des dents, des crocs, un œil, et tout un ensemble de spirales... sur les pieds, sur la queue, sur la tête. Et donc, le dragon que vous avez ici, par exemple, vous pouvez l'appeler pieuvre, mais c'est le style. Où est-ce qu'on pourrait en trouver? Est-ce que je ne sais pas si j'en ai beaucoup d'autres. La première, alors là, comme je parle, je ne sais plus laquelle c'est. Oui. Alors là, c'est absolument un calao, hein, celui-ci. C'est les entre-là qui me fait penser. Ça, c'est le style d'un groupe ethnique particulier qui s'appelle les Kenyas, qui sont complètement dingues de spirales. Alors, ils mettent des spirales, des volutes, des trucs partout. Donc, c'est ça. C'est le même groupe, d'ailleurs, que celui-ci. Les spirales, elles sont partout. Voilà. Mais c'est bien, je vous garantis que c'est bien le dragon. Vous avez un poulpe qui vous ferait un clin d'œil, là. Oui. Celui-ci, là. Celui-ci et celui qui est en haut. Ça? Voilà, il a... Oui, enfin, je vous assure que c'est des... Puis je ne vois pas ce que feraient des poulpes, de toute façon, à 800 km de la mer. Pour répondre aussi à votre intervention, à votre question, je répondrai indirectement en commentant et en questionnant après cette séance. Donc, on y reviendra. Oui, bonjour, merci beaucoup, Marc Rochet. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez pu recueillir des informations sur le rôle du tigre à travers l'initiation? Rituel d'initiation à Bornéo. On n'a pas vraiment de rituel d'initiation très formalisé à Bornéo. On a dans certains groupes, on a une initiation au sang, en particulier dans des rituels de retour de chasse aux têtes.
petit garçon de donner des coups de lance au porc qui sera sacrifié. Dans les rituels funéraires, c'est pareil, les jeunes hommes vont donner des coups de lance aux initiations au sang pour des garçons qui sont supposés devenir des guerriers. Pour les filles, dans certains groupes, il y a le tatouage. Tatouage des mains. Mais ça n'est pas conçu comme des rituels d'initiation. D'ailleurs, le mot d'initiation n'existe pas. Le tigre n'a vraiment rien à faire dans cette histoire-là. Parce que je ne vois pas de rapport, même, entre le tigre et l'initiation. Allez. Bonjour, Myriam Egan, dans les trois d'écologie. Ma question portait sur les traces de pattes de tigre que vous nous aviez montrées à un moment et sur les pattes en général, parce que sur la fresque qu'on voit sur la diapositive derrière, on voit que les pattes, elles sont encore représentées en tête de dragon en Kelao. Et ma question, c'était de savoir si le tigre, c'était le seul animal... Ah, et aussi, vous avez dit que dans le mythe, c'était un homme qui avait, qui quand il marchait, faisait des traces de pattes de tigre. Donc, ma question, c'est de savoir si est-ce que cette croyance-là, ou je ne sais pas comment l'exprimer, est étendue à d'autres animaux, aux hommes, si ça concerne seulement le tigre. Le tigre comme héros culturel, c'est un cas particulier au groupe du centre de Bornéo. Et là, c'est un tigre qui vient dans un village, qui se marie avec une femme du village, qui introduit la nuit des techniques, des choses comme ça. Je pense qu'il y a simplement une congruence là entre un héros culturel qui n'a pas grand-chose à voir avec le tigre divinité qu'on trouve dans d'autres groupes. Ça, c'est une espèce de synthèse à l'ensemble, sur l'ensemble de l'île. Il y a des incongruités que je n'ai pas résolues. Donc, le tigre qui se transforme en humain, mais qui n'est pas complètement transformé parce que ses pieds laissent des empreintes de tigre, ou parce qu'il a encore de la fourrure, ou parce qu'il a un corps humain, ça marque simplement son statut intermédiaire entre l'homme et l'animal. Puis il faut dire aussi que le tigre dans le monde malais, péninsulaire, tigre garou, qui existe surtout, enfin il y en a dans beaucoup d'endroits, mais surtout à Sumatra et en Malaisie péninsulaire. Où il y a des tigres. Où il y a des tigres, oui. Mais aussi où il y a la croyance véritablement forte en des tigres garou, qui se transforment régulièrement en tigre ou en homme, qui redeviennent homme ou femme, hein, c'est pas genré. Probablement, d'après les spécialistes qui ont travaillé sur ces questions de manière approfondie, je pense à Robert Wessing, mais aussi à d'autres, c'est lié, encore une fois, aux négritos, c'est-à-dire aux orangasli, qui sont dans les zones où justement il y a ces croyances. Et ils ne sont pas partout, ces populations d'origine ancienne dans le monde péninsulaire, les négritos, les orangasli. Et ce sont eux qui seraient à l'origine des croyances en le tigre garou, aux métamorphoses, du fait que ce sont leurs chamans qui invoquent l'esprit du tigre, et c'est le nom de ce chaman qui désigne aujourd'hui en malais, chez les malais péninsulaires, chez les malais de Sumatra, le tigre garou, qui n'a pas le même nom que le tigre commun, donc le tigre réel. Donc c'est encore une fois, c'est très difficile à prouver, mais ça renverrait aux croyances les plus anciennes, des populations les plus anciennes. Oui, parce que à Java, ou en Malaisie péninsulaire, ou à Sumatra, le tigre, il est là dans la forêt, il est là dans le quotidien des humains. Et, chaque année, il y a quelques personnes qui sont bouffées par des tigres. Donc ça, la présence physique du tigre a quand même une importance. C'est un animal auquel il est très facile d'accorder
des pouvoirs, des capacités particulières qui apparaît, qui disparaît. Mais là où il n'y a pas de tigre, c'est quand même un peu plus bizarre. Mais le mot alak, ça, c'est Laurent Gasly, hein. C'est semaille, semence, semaille. Alak. Alak. C'est quoi alak? Bah, c'est le nom du tigre garou en malais. Ah, oui. C'est pas Arimao. Donc, ça renvoie, monsieur. Bonjour, merci beaucoup. Lucie Lisa, je suis enseignante à l'université de Nanterre. Je me demandais si aujourd'hui le tigre est réinvesti dans des discours identitaires ou nationaux ou éventuellement dans l'imagerie destinée au tourisme. Et dans ce cas, comment est pris en charge le paradoxe d'un animal à la fois très présent et absent ? Il est très présent dans l'imaginaire des gens. Ce que vous avez ici en bas, enfin à droite, c'est une peinture murale récente où le tigre est représenté hors contexte cosmogonique, sans attribut de quoi que ce soit. Le tigre est quand même un élément identitaire fort, malgré son absence. Quelqu'un a fait une étude avec des enfants tounanes, Dounias, dans le nord-est de Bornéo. Il leur a fait dessiner des animaux. Et les trois quarts des gosses ont dessiné des tigres. Parce que c'est quelque chose qui... ils sont complètement imprégnés de ces images et de ces croyances de tigres. Donc effectivement, oui, c'est devenu un élément identitaire, alors qu'avant il n'était pas forcément, au point que j'avais envisagé d'écrire la monographie sur la tribu sur laquelle j'ai travaillé. Je voulais appeler ça les enfants du tigre. Ah, c'est vrai, tu as décidé, hein. Ah. J'ai décidé il y a 30 ans, je pense bien. Donc oui, c'est très prégnant, c'est très présent, malgré l'absence. Voilà. Je crois que c'était ce monsieur-là. C'est pour revenir sur vos paroles de tout à l'heure, quand vous avez terminé en disant « c'est un peu bizarre ». Effectivement, comment fonctionne la peur de la punition par le tigre dans ce groupe où il n'y a plus de tigre? La punition par Dieu dans un contexte où on ne voit pas Dieu, je pense que c'est un peu pareil, non? Est-ce qu'on peut approfondir le... Il y a toujours une entité punisseuse. Il y a comment dire, une norme sociale, et quand il y a infraction à la norme sociale, il y a une espèce de sanction surnaturelle, vous appelez ça... Dieu ou le tigre ou je ne sais pas, on pourrait l'appeler comment? Tonnerre. Chien. Mais on ne nomme jamais, même ailleurs, dans les peuples qui connaissent le tigre, ne nomme jamais. Hein. Il y a toujours un surnom. Oui, oui. Ou alors un geste signifiant. Je me souviens, Kondo, c'est aussi le cas chez les Malais du Sud de la Thaïlande, mais Kondo me disait, Kondo Milas, me disait que chez les Mnong, ils désignent le tigre uniquement en faisant ça. Parce que si on le dit, il arrive et il nous mange. Et moi, un jour, en forêt, j'ai prononcé le nom du tigre, je me suis fait engueuler. Alors, violemment, et pendant des mois, ils m'ont fait la gueule, interdit, ils ont couru, hein, ils m'ont laissé. Hein. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, c'est des plantations. Heureusement qu'il n'y avait pas de tigre. Il n'y a plus beaucoup de forêt, mais comme le gouvernement du roi a donné l'ordre en Thaïlande de ne plus couper la forêt il y a 30 ans maintenant et que ça repousse, alors je suis retourné cet été et les tigres reviennent. Il y en a beaucoup maintenant. Ils reviennent parce que c'est un toucher. Alors, ils ont un peu la paix parce qu'ailleurs, c'est moins facile. Donc, mais on ne le désigne toujours pas, on ne peut pas. Donc, en fait, il y a des langages sacrés, des langages du sens de javanais, c'est-à-dire pas le javanais indonésien, mais on transforme le mot en ajoutant, on utilise d'autres choses. Alors par exemple, chez les Malais, ils disent le mot pour le tigre, c'est harimau, et le mot pour courir, c'est lari. Et donc ils disent lari pour courir. En fait, quand on dit lari, c'est court, ça veut dire le tigre. On ne peut pas le dire, si on le dit, on est mort. Donc, c'est terrible. Donc même chez les peuples qui ont du tigre, mais qui n'en ont plus, parce qu'on ne le voit pas souvent, évidemment, il arrive de nuit, on voit quelquefois des traces, on a un enfant ou un buffle ou un animal qui est emporté, mais
c'est pas, on le voit pas, c'est très rare. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il est là tout le temps, mais alors ce qui était très étonnant, c'est que y a-t-il eu des tigres à Bornéo avant, c'est ça? Il y en a pas. Il y en a eu alors. Ouais, je sais pas. Peut-être. On ne sait pas. Ouais. Ah, on ne sait pas. On a trouvé des traces archéologiques au longtemps, Dieu sait pas. Mais bon. Ah, c'est très très ancien. Je voudrais quand même rappeler une chose à propos de la transposition des noms. C'est que on nous dit, nous, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc, en français, dans toutes les langues, dans toutes nos langues, le nom de Dieu, en particulier dans les jurons, est remplacé par autre chose. Hein. Pas le sang bleu, c'est le sang de Dieu. Ventre saint gris, c'est le Saint-Esprit. Par bleu, c'est par Dieu. Donc là, c'est pareil. Il y a des techniques linguistiques d'évitement. Des noms dangereux, donc on ne prononce pas le nom de Dieu dans un contexte qui n'est pas approprié. Et c'est la même chose. Hein. Chez les Viettes, c'est pareil, parce qu'ils l'appellent Seigneur village, Seigneur forêt. C'est-à-dire, c'est le Seigneur par rapport aux hommes. On ne dit jamais le mot. Pourtant, ils l'ont le mot, mais on ne l'utilise pas. C'est trop fort. C'est très semblable, ça relève du divin. Il y a certains groupes à Bornéo qui appellent le tigre grand-père. Donc, c'est un terme de respect. Oui, directement. Bonjour, Julien Sabon, je suis en master 1 d'éthologie. Bon, ma question a déjà été posée par M. Roux, mais je me demandais si on avait la preuve qu'il n'y avait jamais eu de tigre à Bornéo. On a trouvé une bout de canine, de juvénile, de tigre dans une grotte. Et je ne sais pas si ça a été daté très très vieux. Donc il y a peut-être eu. Donc, en fait, tous les zoologues se sont posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas de tigre à Bornéo alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y en a à Java, il y en a en Malaisie, il y en a à Sumatra. Bornéo faisait partie du bouclier Sunda, c'était des terres émergées à l'époque où il y avait encore des ponts terrestres de la Malaisie. Donc, visiblement, il y a eu des tigres à Bornéo, mais il y a très très longtemps. Alors, que l'idée du tigre, le nom du tigre, des connaissances sur les mœurs du tigre, aient persisté dans les cultures de ces groupes de Bornéo pendant des milliers ou des dizaines de milliers d'années, c'est quand même assez étrange. Donc, pour dire les choses, je vous ai dit, il n'y a pas de tigre à Bornéo, mais il y a régulièrement dans la presse des mentions de où on a vu une trace de tigre à tel endroit, on a entendu la nuit, une nuit d'orage, on a entendu un tigre. Mais bon, ça n'a jamais été confirmé. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a plus de tigre à Bornéo et probablement depuis assez longtemps. Donc je vous ai menti au début. Mais... Oui, j'avais justement une question par rapport à... Vous avez montré les éléments pour porter les enfants. Sur le dos. Voilà. Oui. Avec les canines. Et il y a également donc, aussi ces représentations sur des poteaux, je ne sais pas si c'est des poteaux fêtiers ou de maisons. Et je ne sais pas si... Les tiwas. Si sur les maisons, si sur les éléments de passage, ou sur des zones, des places où on n'a pas le droit d'aller, est-ce qu'il y a des... Non, ce ne sont pas des endroits où on n'a pas le droit d'aller. Ce sont les façades de maisons de gens de la noblesse ou de la haute noblesse. Des peintures comme celle-ci sont dans des maisons, ce qu'on appelle ça, des maisons de réunion, si vous voulez. Donc c'est des lieux publics où la peinture de tigre n'a pas de... Comment dire ? Donc les gens du commun n'ont pas le droit d'utiliser ces représentations sur leur maison parce qu'elles sont le monopole des gens de statut supérieur. Mais vous passez devant, vous touchez la peinture, ça ne vous mord pas. Donc il n'y a pas de lieu interdit à cause de représentations de tigres ou de peintures de tigres. Parce qu'effectivement, sur les portes à lunettes en bambou, justement le fait que cette représentation du tigre, ça serait peut-être lié à la protection de ce qu'il y a à l'intérieur de ces,
Oui, c'est la protection de la divinité tigre, mais ça n'est pas une protection contre le vol de quelqu'un qui voudrait venir prendre ça protège simplement la chose. Ça protège la maison, ça protège les gens, ça protège le bébé dans le propre bébé, ça protège le guerrier qui est derrière son bouclier. Est-ce qu'on utilise aussi ces canines comme peut-être pectoral? Il y a même des questions. Les canines, moi, je les ai vues sur des porte-bébés. Je les ai vues dans certains cas rares comme crochet pour attacher le sabre de coupeur de tête à la taille. J'ai vu des amulettes avec... Non, c'était des dents de crocodile, d'ailleurs. Non. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut en faire des dents de tigre. En plus, elles sont rares. Elles sont rares et chères, parce qu'elles sont importées. C'est quand même des machins comme ça, les dents de tigre. Hein. Je vous montrerai une. J'en ai une. Et tu as le droit de toucher la dent de tigre? Non, est-ce que ton âme est suffisamment forte? C'est ça, j'ai pensé que je vous m'aurais. Allez-y, Comme y jouer, je voulais vous demander. Nana, quel niveau? Je suis en L1 en sciences sociales. Vous disiez que dans la population du Nord-Est, c'était les chiens qui civilisaient les hommes. Et je voulais savoir si, comme vous l'avez dit à la fin, c'était juste une substitution du tigre. Ou si c'était vraiment un peu. C'est uniquement une substitution. C'est un nom qu'on donne pour ne pas prononcer le nom du tigre. Et donc, quand on prend un cadavre de chien, c'est pour... Symboliquement, c'est un cadavre de tigre. Quand on montre un chien, c'est juré sur le tigre. C'est une transposition. Oui, alors moi, j'avais juste une question. Donc, Judiciel, étudiant en N1, ça aussi. Vous avez parlé à la fin dans votre vidéo de spéculation sauvage que dans la possible cosmologie antérieure à celle présente aujourd'hui, vous avez dit que le monde ne serait pas bipolaire. Et je me posais la question, qu'est-ce qui vous faisait penser à ça? Parce que dans votre présentation, on parlait beaucoup du monde inférieur, le monde supérieur, etc. Donc quelque chose qui est très coupé en deux. Et qu'est-ce qui vous fait penser justement que cette répartition n'était pas bipolaire à ce moment-là? Parce que dans les religions des grandes parties des groupes d'Ayak, on a ce dualisme. Entre le cosmos est conçu avec plusieurs mondes supérieurs superposés et des mondes inférieurs, et on a ce dualisme qu'on a un peu partout entre l'aérien et le souterrain. L'aérien, c'est aussi des oppositions mâle-femelle, ça. Dans l'aérien, c'est chaud, c'est sec, c'est et dans le souterrain, c'est mouillé, c'est de l'eau, c'est les femmes, c'est la fertilité, c'est la culture, c'est l'agriculture, donc on a pratiquement toujours cette espèce de parce qu'on appelle ça bipolaire, mais division du cosmos en deux moitiés globalement. Et ce qui est intéressant, c'est que le tigre est à cheval là-dessus. Le tigre transgresse tout, là. Transgresse toutes les bipartitions qu'on peut avoir, qu'on trouve chez d'autres groupes. Et en particulier chez les groupes relativement côtiers qui ont juste cette influence des cultures indiennes. Aurélien Bessard, étudiant en master 2 d'éthologie à Strasbourg. Vous avez montré des photos de bébés tigres. Et des photos de tigres usagés. J'aimerais savoir s'il existe, si vous avez entendu des évocations de différents âges du tigre dans la littérature. Ni différents âges, ni genres. Le tigre, c'est le tigre, c'est une divinité. Le tigre héroculturel, il est mâle. Il est marié avec la lune. Le tigre dans les rituels, c'est le tigre, on ne dit pas la tigre, il n'y a pas de genre et il n'y a pas d'âge. Putain, c'est marrant parce que chez les Malais, enfin chez les miens, ils disent mère tigre pour le gars. Ah oui, les Pounins disent grand-père. Ouais. Mère tigre. Oh oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas non plus une naissance, une vieillesse. On n'a pas du tout, personne n'a le CV du tigre. Répété. Non, j'ai entendu. Non, mais il faut qu'on enregistre. Ah, pardon. C'est un boulot. Est-ce qu'on sait, donc, il n'y a pas d'origine, de naissance, de vieillesse ou de mort? Non,
Le tigre ne naît pas, ne meurt pas, il a toujours été là, il sera toujours là. Vous ? Vous n'êtes pas un master 1 en écologie. Ma question concernait les représentations de ces différents peuples après la mort. En fait. Quelles sont leurs représentations après la mort ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils rejoignent le tigre ou... Représentation de quoi ? Sans rapport avec le tigre, là. La carence de la mort. Après la mort, qu'est-ce qu'ils s'imaginent ? Est-ce que juste après la mort ? Parce que justement, vous montriez une tombe avec des têtes coupées et que. Après la mort, l'âme quitte le corps, ça arrive chez des gens très bien, nous par exemple, et l'âme doit partir dans un voyage vers sa dernière demeure, qui en général, et dans pas mal de tribus, c'est une des couches du monde supérieur, c'est le séjour des morts, et là, ce qui est important, c'est les rituels de séparation de l'âme et du corps. Le corps, on le laisse dans le cimetière, et l'âme, il y a des rituels de d'accompagnement. Donc on a des chamans qui accompagnent l'âme du mort vers sa dernière demeure. Alors il y a tout un itinéraire avec des obstacles, comment on franchit les obstacles. Et donc il y a un psychopompe qui va pomper l'âme vers le séjour des morts. Ça, c'est le topo général. Et le tigre n'a Rien à voir. Rien à voir là-dedans. En relation avec le tigre, plus en relation avec les vivants, avec le pouvoir, avec le sacré, la royauté. C'est des sociétés très hiérarchisées dans lesquelles le tigre est évoqué par mon collègue. Pas seulement. Non, mais toutes les sociétés. Celles où il représente la noblesse, c'est des sociétés hiérarchisées. Ils sont nombreux à Bornéo. Est-ce que tu peux revenir sur la photo de l'empreinte de Pierre voilà. 1, 2, vous voyez, 1, 2, 3, 4 en haut. En fait, ça, c'est une empreinte d'antérieur droit, probablement. Le tigre normal a 4 doigts sur les antérieurs. Le tigre Gao en a 5, d'après les spécialistes locaux. Et, voilà, parce qu'il est humain, comme les hommes. Donc ça, c'est un tigre normal. Bon, il est un petit peu grand, quand même. Et c'est à Sumatra, donc c'est pas Bornéo, mais en ce qui concerne les questions que vous faites à propos du dualisme et qui a été repris par d'autres demandeurs, en Asie du Sud-Est, globalement, je parle surtout de l'Ouest, c'est-à-dire j'exclus un peu la partie qui limitrophe à la Nouvelle-Guinée, au monde qui commence, au monde océanien. Il y a une dominante dans les ontologies, c'est dans les cosmogonie, c'est la répartition cosmogonique entre dualiste, entre un monde céleste, un monde aviaire, un monde céleste, ce serait le mot, et un monde ptonien à la fois tellurique et aquatique. C'est très important. Or, ça, c'est récurrent partout, alors à Bornéo particulièrement, mais dans la majorité des groupes, mais aussi dans toute l'Asie du Sud-Est, y compris chez les Vietnamiens, chez les Birmans, chez les Thaïs, les Laos, etc., les Malais et les minorités. Et donc, la répartition pour le ciel, c'est assez simple. Le monde aviaire, la faune aviaire est très riche. Évidemment, c'est les plus grands oiseaux, les vautours qui représentent les Garuda du côté indien et les phénix du côté chinois, qui sont deux avatars de la même croyance en réalité qui est partagée et probablement sur des artefacts, sur des substrats plus anciens, probablement locaux, animistes évidemment, enfin animistes au sens non descolien, au sens général, pardon, hein, et donc parce que maintenant je me fais reprendre. Et donc et le côté tonien, tellurique et aquatique, c'est côté chinois, donc le dragon, dont l'équivalent hindouiste pur serait le naga, mais peut être aussi un dragon, d'autant que les dragons sont très nombreux dans le panthéon indien, et notamment les makaras évoqués par M. Selato, qui n'ont pas de forme définie. Par exemple, le makara chez les Malais du sud de la Thaïlande et du nord de la péninsule malaise diffère de celui des Indiens, qui est beaucoup plus spécifié, qui ressemble énormément à ce monstre en forme de poulpe ou de je sais pas quoi, et beaucoup plus gros, qui peut éventuellement représenter un éléphant de mer également, mais en fait, il prend beaucoup de,
selon les circonstances, l'époque, la société, il peut prendre énormément de facettes et il est polymorphe, en fait. Ce qui est important, c'est que si le monde aviaire est assez simple, puisque ce sont des animaux qui volent, bon, il y a les poules qui ne volent pas, il y a les animaux qui, certains oiseaux qui n'ont pas de briquet, qui ne volent pas non plus, mais en général, on les reconnaît. En revanche, ce qui est important, ce que signale notamment à Bornéo, alors, notamment chez les Aoeng du centre de Bornéo, donc, où il est le dieu aquatique du monde de aquatique, c'est ça? C'est la divinité principale, le roi des... Du centre de Bornéo. Oui, oui. Donc, c'est dans ce peuple, enfin, dans cette société-là, mais en fait, c'est la même chose, car ça a été démontré par énormément d'auteurs, alors, certains généralement, d'autres plus particulièrement. On en a fait la synthèse avec mon collègue Bernard Selato dans un ouvrage qui est paru en 2006, Les messagers divins, dans l'introduction. J'ai signé seul, mais en réalité, on l'a conçu et pensé à deux, parce que ça s'est fait sur plusieurs années. Et la figure qui correspond à l'oiseau, c'est-à-dire qui correspond au monde céleste, saison sèche, la lune. Alors ça, pour la lune, ça dépend, mais disons que c'est pas la féminité et correspond. C'est des éléments dyadiques. On pense. Alors vous avez dit des mondes. Comment vous avez dit des mondes supérieurs et inférieurs. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Ah. En réalité, c'est pas ça. C'est pas exactement ça. C'est des mondes opposés, mais qui n'ont pas la valeur croissante ou décroissante qu'on a en Europe, parce que tout ce qui est en bas, c'est infernal, c'est pas bien, parce que là, c'est pas ça. Là, c'est des éléments dyadiques qui se valent, sauf que l'un, c'est pour le ciel, l'autre pour la terre, mais métaphoriquement, ils représentent bien autre chose. Donc l'homme qui est en bas représente la seigneurité, la juniorité en haut pour les oiseaux, représente la saison des pluies, représente la virilité, représente énormément de choses symboliquement, cosmogoniquement, et il peut être représenté sous la forme première, évidemment, d'un dragon, d'un naga, ou bien d'un crocodile, d'un crocodilien, d'un saurien, d'un poisson, d'un serpent, évidemment, mais aussi d'une grenouille, mais aussi d'une tortue, mais aussi d'un buffle. D'un buffle d'eau qui est l'animal sacrificiel du monde malais par excellence, du monde sud-est asiatique également, qui représente un homme, car un buffle, mise à mort d'un buffle, c'est un homme, le cochon aussi, c'est un homme, c'est pas les mêmes zones, c'est pas les mêmes, mais finalement, c'est la même chose. C'est un dégradé de métaphore, substitution, ce sont des animaux, des figures de substitution, du plus gros, l'homme, puis le buffle, puis le cochon, vers l'œuf, qui représente également la chair humaine. Et la réalité, c'est que dans le cas évoqué par M. Selato, le tigre représentant, en tout cas au centre de Bornéo, un animal aquatique, et étant un peu divinisé, puisqu'il est c'est un animal allégorique à Bornéo, puisqu'il n'y existe pas, représente aussi un avatar de plus du dragon, du crocodilien. Donc, c'est la même chose. Il y a un article extraordinaire d'un auteur, c'est un Allemand, je crois, qui est paru en 1968 dans un colloque à Kyoto que je t'avais donné. Oui. Et alors, il a fait une analyse, oui, mais je vais le communiquer aux étudiants, il est très rare, et extraordinaire, parce qu'il fait cette analyse-là dans l'ensemble du monde de l'ère Asie du Sud-Est et Extrême-Orient, et c'est vraiment le premier qui l'ait fait. Il est introuvable, ou à peu près, même moi je l'ai... Et on l'a cité abondamment. Donc, ce qu'évoque Bernard Selato, bien au-delà de Bornéo, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à la figure stricto sensu du tigre, qui, sur cette. Je ne parle pas du héros culturel, là, mais de la figure du tigre en tant que divinité aquatique, par exemple, c'est une métaphore aussi qui vaut pour un crocodilien ailleurs ou autre chose, vous voyez. Et c'est cette dualité-là qui est la totalité divine et cosmique. C'est les deux, l'homme et la femme, l'humide et le sec, etc., réunis font l'univers, mais ils ne peuvent pas être désunis. Voilà, c'est dans leur cosmogonie. Enfin, là, je parle très généralement, hein, bien au-delà de Bornéo. Enfin, si, à moins que tu infirmes quelque chose. On n'affirme rien. On affirme tout. C'est de la supposition sauvage, comment tu dis ? La spéculation sauvage. En tout cas, merci.